Cette semaine, je vous reviens dans ma cuisine. J'ai décidé de vous filmer ma recette de galette à la citrouille. Fait que moi, je fais ça à tous les automnes, là, puis même à part l'automne, parce que dans le fond, mon amoureux aime ça, puis j'aime ça lui faire plaisir. Fait que j'ai fait des biscuits à la citrouille. Fait que je vais vous présenter ce qu'on a besoin. Dans le fond, on va avoir besoin d'une demi-tasse de margarine, ici. Après ça, on a besoin d'un quart de tasse de cassonade, comme ça. Après ça, deux œufs, ici. Après ça, une cuillère à thé de vanille, de la sauce de vanille, de la brune ou de la blanche, je n'ai pas vraiment de différence tant qu'à moi. Après ça, ça va prendre une tasse et demie de citrouille cuite ou ben non, de la citrouille en purée. Moi, dans le fond, j'ai fait blanchir ma citrouille, puis après ça, je l'ai bien égouttée pour enlever toute l'eau pour pas que mes biscuits soient trop humides. Après ça, ça va prendre 2 tasses et demie de farine, peu importe la farine, farine à pâtisserie ou farine tout usage. Moi, j'utilise la farine tout usage. Puis après, 20 ml de poudre à pâte, je vais mettre ici dans mon petit pot. Après ça, 2 ml de cannelle en poudre. Puis après ça, c'est facultatif, mais moi, j'ai décidé de mettre du thé chai citrouillé de chez David's Tea. Dans le fond, je le passe là-dedans parce que c'est pas un thé que j'aime vraiment, mais comme je vous dis, là, c'est vraiment facultatif. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Puis moi, j'en ai mis 2 cuillères à thé. Ouais, c'est ça, 2 cuillères à thé que j'ai passé au mortier pour le défaire ou le rendre en poudre. Puis si vous n'avez pas de mortier, ben vous prenez un plat avec un autre verre, puis vous l'effoirez ou juste simplement le mettre dans un ziploc avec un rouleau à pâte, puis on roule dessus pour pouvoir le réduire en poudre. Fait qu'on va commencer les étapes tout de suite. Je vais vous montrer ça. Pour commencer, on va faire préchauffer notre four à 375 degrés Fahrenheit. Puis ensuite, on va mélanger ensemble le beurre ou la margarine, là, c'est comme vous avez, avec la cassonade. Dans le fond, un coup que le sucre est bien mélangé avec le beurre, on va venir ajouter 2 œufs qu'on va venir bien brasser. On va venir tout mélanger ça ensemble. Un coup que tout est bien mélangé ensemble, on va venir ajouter la vanille puis la citrouille. Dans le fond, la vanille, c'est une cuillère à thé. Avec la citrouille. On va tout mélanger ensemble. Là, ça fait une belle bouette. Bon, quand tout ça est mélangé ensemble, mon fouet qui me lâche, ça va bien. On va ajouter les ingrédients secs, mais la poudre à pâte, la cannelle, le thé, puis la farine. La farine, on va y aller graduellement. Là, on la mettra pas toute d'un coup. Puis on mélange ça ensemble pour faire une pâte. Là, je viens d'ajouter le thé. Puis je rajoute un peu de farine. Oups! J'ai mis un peu beaucoup. On pourrait le faire à la mixette aussi. Moi, je décide de le faire au fouet pour que, dans le fond, j'aime ça travailler au fouet. Quand ça devient trop difficile, on peut venir travailler avec les mains à la place. Là, ça va être moins compliqué. Une fois qu'on a fini de mélanger tous nos ingrédients secs à nos ingrédients liquides, c'est censé nous faire une pâte qui ressemble à ça. Dans le fond, c'est pas une pâte qui est très épaisse, mais c'est pas une pâte qui est super liquide non plus. Là. Fait que là, on va venir façonner nos petits biscuits. Fait que moi, pour m'aider, je prends 2 cuillères, puis je façonne mes biscuits. Une fois
quand les biscuits sont finis de façonner, ben, on va aller les mettre au four pour 10 à 15 minutes ou jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée et que les biscuits soient bien cuits. Dans le fond, c'était ça ma recette de biscuits à la citrouille. Fait que ça m'a donné 26 beaux biscuits qui ressemblent à ces biscuits-là, dans le fond. Puis c'est ça, si vous refaites la recette, marquez-moi là dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Puis aussi, si vous aimeriez que je refasse d'autres vidéos de cuisine, vous pouvez vous abonner à ma page si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi partager. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye tout le monde!